Eh bien bonjour à tous, hein. Je voulais vous montrer donc l'évolution de mes bégonias Dragonwing avec les Skyvola. Et en fait là ça commence à me gêner dans mon petit salon. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai trouvé des petites barrières qui vendent chez Action. Et ce que je vais faire c'est que je vais les mettre à l'arrière des pots pour pouvoir les redresser un peu et moins être embêté. Voilà. Et la prochaine fois il faudra que je pense à les mettre directement en début de saison avant que ça pousse. Hein. Parce que là vous voyez que... Hein, il commence à dépasser un petit peu de trop du côté petit salon. Hein. Donc là, quand je vais m'asseoir dans mon fauteuil, je suis un petit peu embêté. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes petites barrières et ensuite on verra ce que ça donne. Bon, et bien voilà sur le premier, hein, en le pliant, j'ai réussi à rentrer tous les côtés. Et je vais faire pareil avec les autres. Bon, et bien voilà le système. Hein. Donc ce que je fais, c'est que je le plante vraiment sur le bord. Comme ça, je m'en arrondis. Voilà, en pliant un petit peu les feuilles, on arrive bien à le rentrer. Voilà. Et comme ça, ça va éviter que la plante devienne en contact. Vraiment bien l'enfoncer, bien le rentrer, le mettre bien à l'intérieur. Bon, il y a quelques feuilles qui vont s'abîmer un petit peu. Voilà. Et voilà, là c'est impeccable, hein. Vous voyez que maintenant ça va bien vers l'avant, donc la vision de l'extérieur est super bien et ça va empêcher que les plantes viennent de ce côté-là. Eh bien c'est super efficace, hein. On voit bien que maintenant les fleurs ne gênent plus, hein. Il y a juste les pétales à ramasser, hein. Un petit coup de balai pour tout enlever et ça sera super bien. Alors l'avantage d'avoir mis ces petites on va dire barrières derrière, c'est qu'en fait ça m'a remonté les fleurs de Dragonwing, ce qui fait qu'elles sont plus hautes à l'arrière de la potée et on les voit beaucoup mieux. Donc vu de l'extérieur, je trouve que ça a encore amélioré le look de la potée. Hein. Regardez là, c'est très net, hein. Regardez, ça l'a bien fait monter, hein. Je vous montre par l'autre côté. Hein. Voilà, donc tout ce qui pendait vers l'arrière, c'est reparti sur l'avant. Voilà, donc regardez ici, hein. Donc on voit bien que ça fait remonter, et en plus l'avantage c'est que pour s'installer sur le petit salon, hein, c'est maintenant beaucoup plus pratique. Voilà donc une petite astuce, hein, si vous voulez ne pas être embêté d'un côté du balcon. Les petites barrières, hein, toutes simples, hein, j'ai payé ça, je ne sais plus, 2,50, 2,50 les 4, pour 5 euros, j'ai fait tout, il m'en reste 2. Donc ça vaut vraiment pas le coup de s'en passer.